En question. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The chamber is back in session. Reprise de l'audience. And I give the floor to defense counsel for Kyusum Pong to continue putting questions to the civil party. Pour continuer à interroger la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Madame de la partie civile. Good morning, or rather good afternoon again, j'aborde maintenant avec vous Madame le dernier civil thème party. Que je voulais évoquer ce matin, enfin cet après-midi. Topic of this examination, à savoir, this afternoon. Le jour où vous dites avoir vu Kyusum Pong au on marché central. You said you saw Kyusum Pong at the central market. Hier, à l'audience, vous avez indiqué vers 15h41. At about que vous l'avez vu 41, pendant environ 5 minutes. You said you saw him for approximately 5 minutes. Et vous avez repris cette même courte durée and dans votre déclaration devant les enquêteurs in your statement to the des juges d'instruction, document E3/9479, à la réponse 90, 79, vous avez dit, at answer number il 90, est passé en coup de vent. Fin de citation. Est-ce que ça vous rappelle bien ce que vous avez indiqué aux enquêteurs? Like lightning, does it reflect what you told the investigators? Yes, I saw him oui. Very briefly. Je l'ai vu très brièvement. Vous avez indiqué que c'est votre mari qui vous a dit qu'il s'agissait de Kyusum Pong. Je voudrais savoir that si vous vous souvenez à quel moment de la journée can cela s'est passé. Est-ce que c'était le matin, est-ce que c'était à midi, happened? Est-ce que c'était l'après-midi? Was it in the morning, at midday, in the afternoon? It was around 7 a.m. C'était vers 7 heures after he du matin. Had left, I asked my husband, and he told me that he was Kyusum Pong. Lorsqu'il est parti, j'ai demandé à mon mari. Il m'a dit que c'était Kyusum Pong. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit du marché central can vous avez you vu specify Kyusum Pong? At what location in the central market you saw Kyusum Pong? Est-ce que vous pouvez décrire? Est-ce que c'était à côté d'un bâtiment? Est-ce que can you tell us c'était it was near sur a building? La place? Est-ce que vous vous souvenez où vous l'avez vu? On the square or at some other location. He was at the central market. Il était au marché central. Of Sa Thamai. Ou Sa Thamai. He was in that market while evacuees were being distributed food Il and materials. Était, tandis que l'on distribuait de la nourriture et d'autres articles aux personnes évacuées. J'ai du mal à me faire comprendre dans ma question. Je voulais savoir si à cet endroit du marché central, il y avait un bâtiment ou quelque chose qui pourrait servir de repère pour savoir où il était posté ce jour-là. That you can use as a point of reference to specify where you saw him on that day. I did not know the direction clearly, whether to the north or je south. Je ne connais pas clairement les directions. But I think je ne sais pas si it was au nord to, ou au sud. To the north of the market, mais je pense que c'était where au nord people du marché. Were assembled, là où les personnes including the se evacuees rassemblaient. And the people who worked there, who were distributing évacuées. Food. Et le personnel qui y travaillait but et qui distribuait me, la nourriture. I did not recognize clearly about the direction whether it was to the north or je south. Je ne sais pas très bien si c'était au nord ou au sud. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre à quelle distance can you tell the chamber vous trouviez how de far you were cette personne à ce moment-là from that person at that time? I was about 5 meters away. J'étais placé environ 5 mètres. I was about 5 meters away from him. Je me trouvais à 5 and mètres he was environ wearing de lui. A short sleeve white t-shirt. Il portait un t-shirt blanc à courte manche. Short trousers.
avec un pantalon court. Avec un pantalon court, il était de quelle couleur ce pantalon? With shorts. What was the color of those shorts? It was black trousers. Il était de couleur noire. Vous, vous avez indiqué que vous l'avez vu furtivement. Est-ce que vous l'avez vu partir in a flash. Du marché central? Did you see him leave the central market? I did not see him when he was leaving. I saw him only when he was standing there. Je l'ai vu uniquement lorsqu'il se tenait debout là-bas. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Did you hear him speak? No, I did not hear anything. Non, je n'ai rien entendu. Et votre mari, il était à côté de vous à ce moment-là? And was your husband next to you at that time? Yes, he was also standing there. Oui, il était debout également. Il ne travaillait pas ce jour-là? Wasn't he working on that day? My husband was also responsible for distributing food. Mon mari était également chargé ce jour-là de distribuer de la nourriture. He was also with me at that time. Il était également avec moi à ce moment-là. Et vous avez indiqué que cette scène se passait à 7 heures du matin. Est-ce que vous êtes resté toute la matinée au marché central ou est-ce qu'à un moment vous avez regagné votre lieu habituel? Or did you return to your usual place of residence at a point in time? I did not stay there until 9 or 10 a.m. Je n'y suis pas resté after jusqu'à 9 heures ou 10 heures. We had distributed food to the people. Après avoir distribué returned to our residence. À la population, nous sommes rentrés dans nos résidences. J'en ai terminé pour ce qui est de mes questions et mon confrère Kang Samon done with my questions. Des questions my complémentaires à vous poser. Has some supplementary questions to put to you. President, thank you. Now the floor is yours. Councillor Kang Samon. Maître Kang Samon, vous avez la parole. Kang Samon, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. My name is Kang Samon. Je m'appelle Kang Samon. Madame Civil Party, I have a number of questions Madame to put to you. Madame la Partie Civile, j'ai quelques questions à vous poser. I would like to get your clarification regarding your first husband's name. Au sujet du nom de votre premier mari. When you got married to him, did you register your marriage lorsque at that time? Lorsque vous l'avez épousé, avez-vous enregistré votre mariage? Answer. In 1973. À cette époque, réponse en 1973. When we proposed for our marriage, lorsque nous avons proposé de nous marier, the Khmer Rouge was already in our locality, and my parents proposed our marriage to them, and they granted us the permission. Notre mariage. At that time, during our marriage, we had the attendance of monks, but there were not many monks by that year. Ont assisté à notre mariage, bien qu'ils n'étaient pas nombreux à cette année-là. Thank you. At that time, did you remember what name your husband used in the registration of your marriage? Savez-vous quel nom a utilisé votre mari? Answer. Pour enregistrer his name mariage. Was Kang Chu. Réponse. Son nom, c'était Kang Chu. Question. So, were you aware of his subsequent changes of his names étiez-vous au courant and what were qu'il those avait, names? Qu'il a changé son nom par la suite? Answer. Et quel nom a-t-il pris? My husband changed his name. Réponse. Mon mari a changé son nom. Subsequently, in Phnom Penh, par la suite, he was called à Phnom Penh,
Chu Heng Chun. On l'appelait Heng Chun. And later on, his name was changed to. Et plus tard, il a changé de nom. Gong Chun. Pour devenir Gong Chun. Question. Question. So the name Gong Chu Gong Chun that you mentioned. Le nom de Gong Chun. You were aware of these names. Que vous venez de donner. Since 1978, when you were relocated vous to Phnom Penh. Vous le connaissiez depuis 1978 lorsque vous avez été réaffecté à Phnom Penh. Answer. Yes, I received the information. Réponse. Oui, j'ai reçu cette information. About his name change. Relative au changement. Especially regarding his surname de nom, Gong. Notamment le nom de famille Gong. That was Gong, his grandfather's name. Le nom de son grand-père. I was not aware of this surname. Je n'étais pas au courant de ce nom de famille. But I received information from people that mais he changed this surname. Des gens m'ont informé qu'il avait changé son nom de famille. His grandfather's name. Pour prendre name. Celui de son grand-père. Question. When you talk about his grandfather. Question. Are you talking about the, lorsque vous the de surname son of his grandfather Gong? Vous or voulez parler what? Du nom de son grand-père Gong? Ou d'autres choses? I said that the name Gong réponse. Was the father j'ai of Ta Kheng. And Ta Kheng was the father of Chu. Et Ta Kheng était le père de Chu. So it was the surname adopted according to the paternal line. C'est donc le nom de sa famille paternelle. Question. There are three references question. Related to the name. One is il y a trois the name Chu relative à ce nom. L'un des noms c'est Chu. And the third one is Chun. Et l'autre so c'est which one Chun. Is your husband's real name? Lequel answer. Est le véritable nom de votre mari? My husband's name spelled Chor Sra'e. Le nom de mon mari and c'est another one is Chor Sra'e No. Bar-e. Et Chor Bar-e No. And his voilà original name spelled Chor Sra'e. Son nom de naissance s'écrit Chor Sra'e. Ba, sum akun. Question. When you filed your question. Civil party application lorsque for the first time, especially when you gave the en particulier testimony in the chamber on the 23rd of November, le 23 novembre 2009 devant la chambre. You said during time 10 vous avez dit 3 à 10h03 that your husband's name is Keng Pun de votre mari était alias Keng Chun. Pun alias Chun. So where did you get this name from? D'où avez-vous tiré ce nom? Answer. No, I never mentioned the name of my husband réponse. As Pun or Chun. Non, je I n'ai never jamais dit que mon mari so. S'appelait Pun ou Chun. Je ne l'ai jamais dit. But, Mr. President, I would Maître like Pekin, your permission for the civil party, lead lawyer for civil party to j'aimerais clarify on this. Que le co-avocat principal pour les partis civils puisse nous donner des éclaircissements à ce sujet. Kung Sum On, let me clarify again. The document is Kung Sum On, in front of préciser. The chamber. La chambre est saisie de ce document. It's related to case 001. Qui est relatif au dossier 001. It was on 23rd of November. C'était le 23 novembre. 2009. It was at
3 past 10. C'était à 15h05. President, what about the transcript number? Qu'en est-il du numéro de la transcription, la cote? Maître Cousin, on E1/78.1. Kumsamon, please allow me to continue. Kumsamon, permettez-moi de poursuivre. At the same time, there is another document. En même temps, il y a un document. Which is a document from the lead collier for civil party. Il y a également un document émanant des co-avocats principaux pour les partis civils. Civil party group one. The final submission. Il s'agit de conclusions finales, document D 288/6.159/7/7. In paragraph 70. Au paragraphe 70. Is write as the following. The victims. Il est dit ce qui suit. Heng Pun, alias Chun. Heng Pun, alias Chun. Husband of the civil party. Marie de la partie civile Theo Nip. Which reference is E2/75 and in bracket 75 et entre parenthèses. The interpreter could not get the number. Could you please repeat the number? It didn't go through translation. Let me clarify the document number. It's D288/6.159/7. It is at paragraph 70. C'est au paragraphe 70. I would like to know whether you have ever given the name Heng Pun si vous avez jamais donné le as nom your de husband. Comme étant have you ever mentioned this name to the civil mari. Party lawyers? L'avez-vous jamais dit au co-avocat pour les parties civiles? Answer. No, I have never said or mentioned réponse. About these names. Non, je n'ai jamais donné ce nom. Question a while ago. Question. You said that your husband also adopted vous avez dit the name que votre Kong mari that was from his paternal lines. Kong. And that was his de sa famille paternelle. And you mentioned that his revolutionary name was Kong Chun. Did you say so? Kong Chun. Est-ce le cas? L'avez-vous dit? Answer, yes, I said so. Réponse, oui. Question. Yesterday, question. You said that your husband's grandfather named Kong Chu. Que Kong Chu était le grand-père de votre mari. Did you say so? Est-ce exact? Answer. I said that réponse. His grandfather j'ai named dit que son grand-père Kong. S'appelait and when Kong. He named himself, he named Kong Chu. But for me, I address him as nom, Kong. Il a adopté celui Kong de Kong Chu. Mais moi, je l'appelais Kong Chun. I did not know when he changed his surname. Je ne sais pas quand il a changé son nom de famille. I only knew that his father's name is Kang or je Ta Kang. Je sais tout simplement que son père s'appelait Kang and ou Ta Kang. Ta Kang's father's name et was le père Ta de Kong. Ta Kang s'appelait Ta Kong.
I did not know when he changed his surname, only when I saw it. Quand il a changé son nom de famille. Ce n'est que question. So please allow me to clarify again. Maître Kong Saman. So his grandfather's name is not Kong Chu. Is it Kong Peng? Le nom President. De son grand-père, ce n'est pas Kong Chu. Est-ce Kong Peng? Allow me to summarize. Le président. Kong is the name of the grandfather. Kong, c'est le nom du grand-père. And Peng was the name of her husband's father. Le nom du père de son mari. And the last name is her husband's name. Et at one point, her husband used le prénom, his father's le name, nom and another point, his husband used le mari a utilisé his grandfather's le nom du père, name. Et à un autre moment, celui du grand-père. Masalmeng, Konsamon, yesterday, Maître Konsamon. At 49 past 3, hier à 15h49, Madame Civil Party, you said that Kong Chu, vous avez dit que Kong Chu was his grandfather. Était le nom de son grand-père. That means your husband has had a grandfather whose name ce was Kong Chu. Que votre mari avait un grand-père qui s'appelait Kong Chu. President. L'avez-vous dit? Now let simplify your question. Veuillez simplifier vos questions. I encourage you to ask her, the Madame Civil Party, what's her husband's father's name and what's her husband's grandfather's name. Comment s'appelait le grand-père de son mari et le père de son mari. Madame Civil Party, now please give your answers according to the questions suggested by the President. D'après la suggestion faite par le Président. Observe the microphone, Madame Civil Party. Le Président, Madame la Partie Civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé. Civil Party. La Partie Civile. His grandfather's name was Kong, and his father's Kong name was Kong. Kong était le nom de son grand-père, et Kong, celui de son père. Chu's grandfather's name was Kong, and Chu's father's name was Kong. Du grand-père de Chu, c'était Kong. So his grandfather did not have Chu a surname. Kong. He had only one name, Kong. Kong That's it. Était le seul nom du grand-père. N'avait-il pas d'autre nom? Madame Civil Party, please give your answer. Madame de la Partie Civile, veuillez répondre, s'il vous plaît. Civil Party. Réponse. Since I was young at the time, I did not know about the surnames of those elderly people. Les noms de famille I knew de only ces their âgées. Name. Kane. Je connaissais uniquement le nom Kane. Question. Question. When did you know that Kong Chu or Kong Chuen that you think that was your husband who was arrested in jail at S21 when you received the information about his imprisonment. Quand avez-vous eu l'information selon laquelle il a été emprisonné? I did not know when he was sent to S21. Je ne sais pas quand il a été envoyé à S21. President. Based on your searching for your husband, when did you find that your husband was among the prisoners at S21? Quand avez-vous su when you found that your husband was imprisoned at S21? The question was already put to you, but we would like to get your clarification. And who was the one who told you? La question vous l'a déjà posée, mais nous voulons avoir des précisions. Et qui vous l'a dit? Answer. La réponse. I received the news during the period when the lawyers searched for his name. I got that information about 1 month ago. That was in October. C'est en octobre, il y a un mois environ que j'ai eu cette information. Thank you. Maître Konsamon. What about in case 001?
based on the lead lawyer for civil party that you were withdrawn from case 001 because vous avez été du dossier 001. Your husband name was not found, that therefore you were not relevant to the case. Is that correct? N'avait pas été without having looked at the transcript, the way I remember it, it wasn't to be found on the then list of the unamended list. Juge we have now a new list, so there are various le lists. Nom n'était pas sur my understanding was, but I stand to be corrected, car il y a une nouvelle liste amendée. On peut me corriger, mais je pense que la raison pour laquelle la demande a été rejetée dans le précédent dossier, c'est que la liste à ce moment-là ne comportait pas le nom du mari. Je ne sais pas si c'est une invitation pour que je précise ce que j'ai dit hier, mais je crois que vous avez parfaitement compris, juge Fentz. But I think that you perfectly understood, Judge Fentz. La liste dont nous discutons depuis deux jours, où se trouve le nom du mari de la partie civile, n'était pas disponible en 2009, et elle a été rendue accessible grâce à la liste du bureau des juges d'instruction. Raison pour laquelle sa constitution de parti civil n'a pas été admise dans le dossier numéro 1, faute d'un lien suffisant entre la souffrance et S21. Aujourd'hui, la situation est complètement différente puisque nous avons accès à de nouvelles listes qui, encore une fois, n'étaient pas accessibles en 2009 et qui nous ont permis de retrouver le mari de la partie civile. Civil party's husband's name. J'en profite pour dire qu'en français, en tout cas, il y a eu, une certaine confusion dans la traduction, nous avons l'impression que notre confrère disait que la partie civile avait témoigné dans le premier procès, ce qui n'est pas le cas, si j'ai bien compris, et si j'ai bien noté l'extrait du transcript qu'il a cité, c'est la plaidoirie d'un avocat qui est mentionné, et à aucun moment les propos de madame qui serait venue témoigner devant votre chambre dans le procès numéro 1. Present there. So I don't know if I properly received the message that was translated, but I think that in Khmer, my colleague would like to add something. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. What was raised by Counsel Kong Som-on. Maître Kong Som-on. That the reference was a transcript of the testimony of the civil party. Transcription du témoignage de la partie civile. And that it is in paragraph 71. In fact, it is the final submission. Il s'agit des conclusions finales. The first lawyers group, which is document document is exactly the same document that is included in case 002, celui qui a été admis dans le dossier 002, document dans lequel la personne décrit son mari comme Heng Chun ou Heng Chun. And the interpretation into Khmer at the time that it was Heng Pun or Heng Chun
en Khmer, l'interprétation était Heng Mon ou Heng Chun, et en fait, c'est erroné, puisque la partie civile, en réalité, n'a pas utilisé ce lawyer, nom. Mais dans le dossier 001, l'avocat de la partie civile, par erreur, a cité l'avocat, le mari comme étant par le mauvais nom. Mais dans le dossier précédent, comme celui-ci, la partie civile a dit que son mari s'appelait Heng Chun et non pas le nom erroné. Pour répondre à Madame Judge Fentz, en plus de la liste on top of the list mentioned by the civil parties, I mentioned another list where we can see as well the name of the civil party's husband as well as her two colligues, and this is list E3/1974. And I believe that in our list back then that was made up by the OCP, le nom the name that is in that list was already mentioned, but I don't know if the civil party lawyers in case one did not see this name or did not find it because there might have been a difference in the spelling. Voilà la situation. So this is the situation. Monsieur le Président, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. I'd like to get clarification. J'aimerais obtenir un éclaircissement concernant certains noms. In relation to document E3/342 This document was produced by the Office of the Co-Prosecutors on the 19th of May 2009. And at number 42, the name is referred to as Kong Chu alias Chun. And the position was a combatant in the State Supplies Office, au bureau du ravitaillement. Supply the market. So that name was mentioned previously. Donc ce nom a été mentionné précédemment. Names that suddenly appear il ne s'agit pas d'un nom qui vient d'être mentionné du fait de la nouvelle liste du BCJ, comme l'a suggéré l'avocat, comme l'ont suggéré les co-avocats principaux pour Madame les parties civiles. Moyennant cette précision, j'aimerais à présent continuer. Madame, votre mari s'est-il jamais fait appeler Kong Chu? Answer. Réponse. I was not familiar whether he used Kong Chu or Kong Chu. Je ne savais pas s'il se faisait appeler Kong Chu ou Kong Chu. Since I knew his father, I knew that he was used the name Kong Chu. Je savais que son and maybe nom later était on Kong he used his father, his grandfather name as il his surname. Il a utilisé comme nom de famille le nom de son grand-père. Counsel, thank you, Madame Civil Party and Mr. President. Merci, Madame la Partie Civile. Monsieur le Président, j'en ai terminé. President, thank you. Le président, merci. And Madame Kinnear, it is now almost the conclusion Madame, of your testimony, and votre you déposition now have a touche à sa fin. L'occasion vous est ainsi donnée de faire une déclaration sur le préjudice que vous avez subi en rapport avec les faits reprochés aux accusés. And that led you to file your party application to claim for moral and collective reparations in this case. Collective the harm et to cause the physical, psychological and material harms that happened to you and that remains with you till today. If you wish to do so, you may proceed. À ce jour de ressentir les séquelles. Le cas échéant, l'occasion vous est donnée de faire une telle déclaration. Civil party. La partie civile.
the things that remain with me is the sorrow and pains that I have from the previous regime. Le chagrin, les souffrances. I was in great difficulty. J'ai connu de grandes épreuves lorsque je vivais avec mon mari. J'étais enceinte, mais j'ai été contrainte à me rendre dans la province de Battambang par la route nationale en compagnie de mon jeune enfant. Mon mari n'était pas à mes côtés pendant ce voyage que j'ai fait avec d'autres gens. J'étais avec d'autres, nous sommes allés à Battambang tout en essayant de retrouver mon mari. Trois jours après l'accouchement de mon deuxième enfant à Mongrousseil, j'étais forcé à déménager à nouveau. I have so many sorrows and pains with me, and I like to ask Kyo-sampon. Et je tiens à demander that is only one question, à Kyo-sampon that they made the revolution in order to ils ont liberate fait une révolution pour libérer who le peuple, suffered le peuple qui souffrait under the previous regime. Sous le régime because précédent. In the previous regime, le régime précédent, en effet, les gens avaient souffert. Ils avaient dû emprunter de l'argent pour s'alimenter. Lui prétend avoir libéré le pays grâce à cette révolution. Mais comment se fait-il que des gens aient trouvé la mort? Où était-il à ce moment-là? Pourquoi n'a-t-il rien vu? Pourquoi n'a-t-il pas constaté la souffrance de la population? Voilà donc la question que je lui pose, lui qui était un des dirigeants du pays à l'époque. Voilà. Preston, thank you. And the chamber wishes to inform Madame. Sachez, Madame, that in the proceedings in case 002/02, le deuxième procès du dossier 002, les deux accusés, Kyo-sampon et Nuon-chea, ont dès le début exercé leur droit de garder le silence. And also on 8 janvier 2015, en réponse à une question posée par la Chambre, les accusés ont réitéré leur position, à savoir qu'ils continuaient d'exercer ce droit. So far, the chamber à ce jour, has not been la Chambre n'a reçu aucune information quant à un éventuel changement intervenu so dans la position des deux accusés, changement qui aurait fait qu'ils soient prêts à répondre à des questions. And, pursuant to the existing applicable en application laws, du droit applicable, has no legal, la Chambre stands to n'est pas en mesure de contraindre les accusés à répondre aux questions qui leur sont posées par les juges ou par des parties. And Madame Kyo-nip, the chamber is Madame grateful of your Kyo-nip, presence and the la Chambre hearing vous remercie your d'être venu déposer as well as cette déposition touche à son terme, y compris votre déclaration sur le préjudice subi. Votre déposition pourra contribuer à la manifestation de la vérité dans ce dossier. Votre présence n'est plus requise dans le prétoire. Vous pouvez regagner votre résidence ou vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Huissier d'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts, prenez les dispositions voulues pour que la partie civile puisse rentrer chez elle ou se rendre où bon lui semble. Le moment est opportun pour observer une courte pause. Les débats reprendront à 14h35. Suspension de l'audience. So viewing clock here.